concrètes. J'ai, par exemple, en Corrèze, comme président du Conseil général, j'ai fait en sorte que chaque collégien ait un ordinateur portable, gratuitement, qui gardera toute sa scolarité. Non pas pour faire un cadeau, mais parce que l'accès à la connaissance, je considère, c'est l'accès au succès et à la réussite. Un ordinateur en Corrèze, des chèques, effectivement, contraception en Poitou-Charentes. On va revenir sur tout ça. Un mot maintenant de Martine Aubry. C'est elle qui nous a remplacé entre guillemets, elle est aujourd'hui aux affaires, c'est elle qui doit concilier, faire la synthèse, trouver un programme, ça fait beaucoup de travail. On l'a suivi, on a voulu savoir un petit peu comment tout cela se déroulait. Vous nous donnerez votre avis juste après. Sujet, Alice Gauvin, Mathieu Milenkowski et Bertrand Guez. Regardez cette table, pourquoi il y a quelque chose. C'est ici que ça se passe. Ici qu'on va le reconstruire, le Parti Socialiste. Tourcoing, cinquième étape du Tour de France de Martine Aubry. Venu glaner les idées des honnêtes citoyens. Prévenir la catastrophe. Et tant pis si l'idée n'est pas neuve. Pourquoi revenez-vous au débat participatif ? Je ne reviens pas au débat participatif, je crois qu'on n'a jamais fait un débat comme celui que nous faisons. Là, nous allons parler aux Français du sens, nous allons parler de l'identité de la France, nous allons parler de la France qu'on aime, nous allons leur dire qu'une autre société est possible. Et ça, ça mérite bien un peu de mise en scène. Si c'est quelqu'un qui se trouve ici, le caméra, ça sera la ligne, c'est pour moi. C'est l'animateur qui me dégage un peu tout ça, et un gros plan, visuel. Bravo, papa! Bravo, Daniel! Bravo! Tu es très fort, toi!